bonjour. Votre petit bout de chou ne veut pas prêter ses jouets. Et oui, c'est tout un apprentissage de prêter, de savoir que l'objet va revenir. Et en plus, quand un autre enfant découvre le jouet du vôtre, il va être exalté, il va être tout content et il va rire, il va sourire, il va s'amuser, la joie va se voir sur son visage. Et du coup, votre enfant va se dire que le jouet, c'est bien ce jouet-là qui lui procure ce plaisir-là. Et votre enfant, il veut ça, il veut exactement ça. C'est pour ça qu'il va chercher à tout prix à récupérer le jouet de l'autre enfant, parce qu'il veut cette émotion-là. Et donc du coup, on est en tant que parent, en essayant d'avoir une belle image auprès de l'autre parent, de l'enfant qui est présent. « Oh non, prête ton jouet, il veut pas, mince, non mais si, sinon tu vas être puni. » On fait le chantage, on fait la pression, voilà, on ne se met pas à la place de l'enfant qui a un fonctionnement tout autre et qui découvre des émotions et des enjeux qui sont complètement différents de nous, matures, en conscience, mais pas suffisamment matures non plus pour comprendre ce qui se passe chez le tout petit. Donc on va mettre la pression et ça va finir par des pleurs parce que le parent veut que son enfant prête parce que c'est moralement joli et donc du coup on ne veut pas perdre la face non plus vis-à-vis de l'autre parent. Donc ça c'est très compliqué parce que c'est pas productif. Comment on apprend à un enfant à prêter? Mais c'est au quotidien et ça prend du temps. Ça veut dire que là tiens je te prête mon plaid. Mais tu vois, là, je te l'ai prêté, je sais qu'il va revenir et je t'ai rien demandé en échange et je suis contente de te prêter ça. Donc, c'est un apprentissage qui prend du temps, donc ne les brusquez pas, ça ne sert à rien. Et refoulez votre envie de plaire à l'autre parent parce que on est élevé là-dedans. Il faut qu'on soit au top en tant que parent. Sauf que si on connaît le développement de son enfant, on sera au plus près de ses besoins et on sera aussi en cohérence avec eux, parce que l'autre enfant aussi à un moment donné ne voudra pas prêter ses jouets et vous allez dire à l'autre parent mais non mais c'est pas grave s'il ne peut pas prêter. Voilà, mais soyez aussi gentil avec vous que ce que vous pouvez être avec l'autre parent, tout simplement. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.